Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Aid. Jeudi, c'est vendredi 3 décembre. Nous portons un update sur vous, puisque nous entrons en décembre là. Et, pas oublier que Boyfield a parlé en pile de cause d'immigration, il y a un suspense là. Démocrates, ils sont sous banc là, ils attendent. En pile d'immigrants, ils sont sous banc, ils attendent. Et si oui ou non, qu'il y a arrivé à mettre dans le cadre Bill Back Better là, ça veut dire infrastructure Bill qui est devant le Sénat, est-ce qu'il y a arrivé à introduire l'immigration plan? Normalement, il va être sur des limites fin année. Donc, tout le monde attend. Nous allons essayer de parler avec vous là, sur ce qui dit dans les tiroirs. Et entre les démocrates qui viennent comprendre, là, ça ne fait pas aller. Nous avons rappelé que mercredi qui se passe là, parlementaire, de manière formelle, en tant que était présent en date du jour de juge, il était tendé. Équipe démocratique qui t'a argumenté, présenté argument yo, qui pouvait pas A plus B, comment faire yo ka inclure projet immigration dans le cadre de conciliation, t'es gain staff républicain ou même qui t'a pris contre-pied. Donc c'est comme ça bagaille la tête. Et on dit que là, tout bagaille sur table là, et bagaille ça capable, dernière tentative, on bien dit, capable dernière tentative pour essayer de passer. Il y a quelconque projet d'immigration avant fin d'année, parce que pour l'entrée de l'autre année, et c'est dans le cadre de conciliation pour ta fête, 2022, nous avons des choses, nous avons des choses, nous avons des probabilités pour, même les républicains ne peuvent pas prendre tous les deux, mais quand même, il est très difficile pour les démocrates de toujours qu'il à la fois Sénat et Chambre des députés. Parlementaire, il y a justement qui a considéré argument démocrate et républicain qui ont été fait. Et mercredi, le processus ça, parlementaire, enfin, yo et Lili, bird bath, c'est comme si son test. Yo ouais que ça va dire, ça va proposer. Est-ce que li ou capable de budgétiser? Est-ce que le capable d'entrer dans le cadre d'un bagay revenu et dépenses? Il faut bien écrire, ok? Donc processus ça qui va décider si oui ou non démocratie arrive réussi passer. Ça n'a pas une forme de légalisation pour le monde qui n'a pas de papier. C'est une priorité pour Biden, mais une priorité pour un pile démocrate. Elizabeth McDonald, qui est parlementarienne, non, c'est Wall Lisa. Il joue un rôle de conseiller, mais c'est vrai que non Biden, c'est vrai que n'est pas on l'ordre, parce que le Parlement a une certaine autonomie, mais en politique, surtout au niveau du Parlement, il y a un précédent. Le précédent, c'est que il faut toujours suivre consigne. Et ça lié. Et réalité, c'est que, on va besoin de 50 sénateurs démocrates qui ont passé outre, en d'autres termes, qui ont ignoré les consignes, ou bien, sont experts liés de parlementariens. On a rappelé que parlementariens ont été là, c'est pour éviter, pour ne pas abuser de réconciliation. Je dis, à la fois pour républicains et démocrates, ça t'avait dit, si c'est républicain qui a une majorité, je dis, c'est ta parole parlementarienne dans tout. Et si les républicains, par exemple, parlent pour un projet, ils ne partent pas dans le cadre de conciliation pour dire si oui ou non, c'est le capable. C'est comme ça pour nous comprendre. OK? Donc, s'il arrive à passer à travers la conciliation, il y a besoin seulement 51 votes. Ça veut dire Haris Kamala pour le 51e non pour le capable de passer. Donc, c'est un bagage qui gagne des règlements sûrs. Et maintenant, les démocrates travaillent très dur pour. Justement, écrit projet de loi immigration. Et ça dit que c'est vraiment un bagage historique. Contrairement à ça, mon pensée, je dis, son bagage, je dis, depuis on l'a vu, un président vini, même genre avec Donald Trump, il a cassé. Non, là, c'est pas le manque fait, les amis. Il n'y a pas même genre avec un dit, on va pas te prendre Dakar, le sien. Pour Donald Trump vini, dit, bon, la campé Dakar. Vous comprenez? So, même genre petit PS qui c'est de l'ordre de l'exécutif. Mais ça, c'est quelque chose que le Parlement a fait. Ça n'a pas voté le tourné loi pour nous montrer la différence qui fait que depuis qu'on a voté là, n'importe quel président qui vient, il n'y a pas grand cap-caf. Pas grand cap-caf. Il dit que ce n'est pas un bagage historique. Bien que nous disons que c'est un bagage pour 10 ans. OK? Et nous disons tout, nous expliquons que il y a une bonne barrière qu'elle peut écraser tout, surtout pour les gens qui peuvent inspecter. Il y a bien pour nous donner plus de détails. Une source qui est familière avec
argument démocratique en faveur de la vision. Ça, mais ça, je dis. Je dis parce que c'est la troisième fois. En fait, c'est la troisième fois. C'est la troisième fois. Vous avez une réunion avec les parlementariens. Mais ça, je dis. Je dis, nous te prenons temps pour nous entendre des critiques, madame, en parlant de parlementariens. L'ité bail en détail qui a rapport avec provision sur migration. Parce que plan ça, c'est plan C. A, B, A, donc on est tombé dans C. Donc, si tu veut dire qui ça, eh bien, il a fait des modifications par rapport à critique et des questions que madame l'a fait. Essayez de comprendre ça, Katana Abdoula. C'est que, originalement, ça nous a dit dans la chambre députée, nous allons regarder les versions, ça a sauté, attendre nous pour quelques modifications. Parce que vous avez pris soin pour vous attendre ça. Parce que, avant, vous avez fait une réunion formelle, là, vous avez fait une réunion qui précédait ça. C'est ainsi que vous avez corrigé le cahier. Donc, ça avait dit, version qui sortit dans la chambre députée, il y a des séries de bagailles qui ont des changements. Et ça passe. Donc, dans ma peau, c'est à peu près 6 millions et demi de monde qui pourraient être qualifiés pour entrer dans la parole. Ça. OK? Et ça nous dit que ça fait bien, c'est important, mes amis. C'est des décennies. C'est des décennies depuis qu'on est arrivé à faire un projet d'immigration. Il n'y a jamais qu'à faire. Donc, démocrate qui saisit la réconciliation, ça, pour moyen pour être capable de voter en barrage à quelqu'un. OK? Et donc, le langage que nous avons dans la Chambre des députés, elle n'a pas garanti que nous allons passer. En plus, le démocrate dit, il n'a pas pensé que c'est la dernière chance. Il a le pilon. Il dit, même lorsque le parlementaire a cassé ça, il dit, il n'a pas pensé que c'est la dernière chance. Il a continué la bataille toujours. OK? Il dit, il n'a pas de dernière chance. Je ne sais pas qui ça a gagné encore après ça. Mais en tout cas, et quelque part, troisième bataille, ça, si vraiment il perd deal, en fait, la bonne déception. La bonne déception pour un pile. En tout cas, je veux dire, c'est vendredi. Et argument au fait, nous n'avons pas cadré exactement qui est le roi de la réponse, mais ce n'est pas impossible. Pendant ma parole dans le week-end, là, et puis parlementaire, et la guerre, justement, et verdict, comme ça, tout le cas prend. On se mène tout. Ça va dépendre, puisque nous connaissons que madame là. Je dis nous avons gagné ça nous a eu un cancer au niveau du sein. Donc nous autres, nous avons prétendu pour nous avoir un update. C'était un plaisir.